À l'heure actuelle, le bateau est en finition. Il nous reste à peaufiner les cabines. Et début avril, commenceront les premières croisières. Le bateau est prioritairement destiné à des croisières de plongée, mais il est aussi prévu de faire des croisières de navigation à la voile pour ceux qui aimeraient faire que ça. On a des réservations qui sont très originales pour un bateau de croisière plongée. La première réservation, c'est un orchestre de chambre qui vient avec ses fans faire une croisière de musique classique. On a un congrès médical, etc. Donc il est ouvert à beaucoup d'applications de croisière possibles et inimaginables. Dans des lieux merveilleux, sur la mer évidemment, l'archipel de l'Indonésie, qui a plus de 14 000 îles, donne des possibilités infinies.